Alors, petite vidéo des bébés chouchous de maman Oshinu et papa Salazar. Donc ça y est, on grandit maintenant. On grandit les petits monstres. Donc né le 17 avril. Ah oui. Donc j'ai défait maman comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes pour pouvoir justement... ça cherche 4 étés à cet âge-là. Pour qu'on puisse bien les voir. Donc sur la portée, j'ai un mâle et 4 femelles. Donc un mâle fauve, qui fait d'ailleurs un gros dodo. C'est maman, ils vont être contentes de le voir. Donc j'ai fait une petite séance photo aussi que je publierai également sur notre Facebook. Et notre site internet, je mettrai les photos également. Donc là, je le laisse dormir, hein, il dort. Donc ça y est, tout le monde a ses petits yeux ouverts maintenant. Hein, c'est parti. Donc voilà le petit mâle collier bleu. Donc les bébés, comme vous pouvez voir, ils sont bien bien fauves. Hein, c'est vraiment du fauve bien soutenu. Ici, on a une femelle collier blanc. La femelle collier blanc. Donc sur la portée, j'ai 2 femelles de réservées. Donc pour l'instant le choix n'est pas encore fait, hein, c'est encore un petit peu petit. Donc voilà la femelle collier blanc qui cherche à téter aussi. Oui. Donne ton doigt maman, donne ton doigt. Donne ton doigt, donne ton doigt. Donc voilà la petite louloute. Ici on a la petite femelle noire, collier jaune. Je vais essayer de vous la montrer. Bon, maintenant, à cet âge-là, c'est difficile de porter. Hein. Ça commence à d'une main et filmer d'une main. Donc voilà la petite femelle collier noir qui a ses petits yeux ouverts aussi. Coucou, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Hop et là. Donc voilà les trousses pètes. C'est dur à réveiller après les autres ils pioncent. Donc voilà la trouspette collier jaune, la femelle collier noir, donc collier jaune mais noir. On va venir réveiller le frère. Ici la femelle collier blanc. On va réveiller tout le monde. Ici on a la femelle collier rose qui fait des dodos aussi. Donc je ne la réveille pas. Les frères et sœurs vont s'en charger. Ici on a la femelle collier violet qui fait des dodos aussi. Des petits dodos aussi. Vous êtes réveillées les filles. Hein? Vous êtes réveillées vous. Hein? Oui, hein? Vous êtes réveillées. Hein? Oui, oui, oui. Nous on a faim. Hein? Nous on a faim. Dis donc. Ah, ça y est, petit garçon il est réveillé aussi maintenant. Oui, petit garçon il est réveillé aussi. Les filles ils ont réveillé petit garçon. Oui, oui, oui. Donc voilà mes petites crevettes. Une petite crevette d'amour. Les petites loulous. Oui. Oh oui. T'es sage, toi? T'attends pas si à moi que maman revient? T'attends pas si à moi que maman revient? Oui, oui, oui. Donc ici, la collier rose qui dort toujours. Et la collier violette, mais on voit pas beaucoup parce qu'elle dort, mais à la limite, si on est face au tapis, j'ai essayé de la lever un tout petit peu. Tu nous embêtes, espèce de paparazzi. Tu manges mes doigts, toi, tu fais bouger la caméra. Des petits monstres, des petits bouts de queue qui balancent. Ça y est, ils connaissent leur monde hein, maintenant. Ça y est. Oui, c'est maman humaine. Oui, c'est maman humaine. Maman et papa humaine. Maman et papa humaine. Mais oui. Oh, oui, on aime bien nos humains. On aime bien nos humains. J'aime bien comment elle attend. Moi j'attends. J'attends. Elle est où maman? Elle est où maman gougoute? Elle est où maman gougoute? Elle est où maman gougoute? Oui, elle est où maman gougoute? Donc ici on a la femelle collier blanc et ici le mâle collier bleu qui attend aussi maman gougoute. Donc là les deux sœurettes qui font des dodos. Qui font des petits dodos. Petit mâle. Ça y est, maintenant ça marche, hein, ça va drouiller un petit peu et tout. Oh, super.
les deux filles qu'il a eues ensemble. C'est là où ça devient intéressant. Hein, c'est voyons mon petit garçon, bonjour mon petit garçon, tu es venu voir maman humaine? Oui, petit bout de queue qui balance. 3 semaines, là, c'est l'âge où ça devient intéressant. Bon, avant, c'est vrai que c'est joli de les voir, mais c'est ça mange, ça dort, je veux dire, ça vadrouille pas. Tandis que là, ça y est, ça commence à connaître son petit monde. Hein, mon doudou? Hein, mon doudou? Il a toujours faim, toujours faim. Collier rose. Et collier violet. Mais on n'arrive pas à voir sa petite tête. Non, je dors. Embête-moi pas, je dors. Non, je pionce. Je pionce. Collier jaune. Petit garçon qui balance sa queue. Petit homme. Oh, petit homme. Oui. C'est un petit homme. Collier blanc. Donc quand ils naissent, ils ont la langue toute rose. Hein. Après, ça se pigmente. Et après, ils deviennent tout noirs. On dirait qu'ils ont mangé du charbon. Donc voilà pour la vidéo des bébés de maman Oshinu. Des bébés chouchous de maman Oshinu et de papa Salazar. Donc ça évolue bien, ça grandit bien. Je vous referai une vidéo un petit peu plus grand encore, où ce sera encore mieux. Où ce sera encore mieux. Oui, parce que ça va encore faire d'autres bêtises. Ça va encore s'éveiller tout doucement à leur rythme. Donc voilà, voilou pour la vidéo. À bientôt!